Alors, bienvenue à l'émission Stop. Nous avons pour une des premières fois un orchestre, un grand orchestre qui est avec nous, qui a une très longue historique ici même à Granby. On parle de 150 ans et comme on sait, la ville de Granby a maintenant 150 ans et plus. En 2009, nous avons fêté le 150e de la ville de Granby. Cette année, nous avons le plaisir de fêter le 150e anniversaire de l'Harmonie de Granby. J'ai deux membres pour vous, M. Jean-Guy Lussier et Mme Priscille Lafontaine, qui sont tous les deux musiciens dans l'Harmonie de Granby et aussi membres du conseil d'administration. Alors, bienvenue à l'émission. Bonjour. Merci, bonjour. Expliquez-nous, 150 ans d'histoire, c'est extrêmement rare par chez nous. Comment avez-vous réussi à vous rendre à cette magnifique âge? Bien, il y a des gens qui ont travaillé très fort pour maintenir un groupe comme ça en vie, 150 ans de temps. Et c'est grâce à ces personnes-là qu'on a réussi à survivre et maintenant, plus que survivre, à progresser maintenant. C'est excellent. Alors, ça vient d'où? Qu'est-ce qui se passait musicalement à Granby, il y a 150 ans, dans les années 1800? En fait, en 1864, d'après le journal Eastern Township Advertiser de 1864, il y a un groupe qui s'est formé de 15 à 18 musiciens pour faire de la musique, pour agrémenter les différentes fêtes, différents groupes. Dans ce journal-là, on mentionne que le groupe est allé jouer à Adamsville, qui est près d'ici, pour les fils de la tempérance, qui avaient une activité cette journée-là, entre autres. Aujourd'hui, nous avons vécu le 150e. Comment ça s'est déroulé? L'endroit, on a fait ça au Palace? On a fait ça au Palace le 26 avril et on était vraiment enchantés de ce qu'on a donné comme spectacle, mais aussi de nos spectateurs, puisqu'on a des gens qui nous suivent vraiment fidèlement. Et c'est un gros événement à organiser, un gros événement à donner à la ville. Bien, c'était pas juste la ville de Granby, parce que dans l'harmonie de Granby, on a des gens de la région. OK. Hein, c'est sûr. On peut aller jusqu'où? Oh, mon Dieu, Saint-Armand, Farnham, on a quelqu'un de Beloeil, on a du monde de Beloeil. Et on pratique chaque semaine? Chaque semaine, chaque mardi soir, alors, à 7h30. C'est important quand même... Faut donner un... ah oui, il faut donner une performance. On n'est pas là pour nos beaux yeux, là. Mm-hmm. Il faut aussi donner, c'est une implication importante. Beaucoup de bénévoles. C'est tout le monde bénévole, ça, okay, ces gens-là. Là. Alors maintenant, je vous envoie à le spectacle au Palace avec M. Gilles Baron. Si vous avez déjà visité la Louisiane, vous reconnaîtrez le style de musique jazzée qui se joue dans les rues de la Nouvelle-Orléans. Ce soir... voyager avec notre ensemble de Dixieland, composé de solistes à la clarinette, au trombone, à la trompette et au saxophone. Mesdames et messieurs, André Gauthier et l'Harmonie de Granby. Pour le 150e, on avait justement quelque chose de très spécial. On avait M. Richard Abel, le pianiste, un pianiste très connu au Québec et même, je dirais, internationalement, et qui a vraiment donné une belle performance que les gens ont appréciée. Et nous, on l'accompagnait. Okay. Le défi, c'était d'avoir une harmonie qui accompagne un piano. Ah. C'est tout un défi. Est-ce que c'est la première fois? Ou... dans notre cas, moi, je dirais que oui. Oui, puis dans le cas de Richard Abel aussi. Oui. Ouais, il n'avait jamais été accompagné par un groupe avant. C'était toujours des cordes avant. Oui, parce que c'est plus facile. C'est moins bruyant. Nous autres, on est bruyants vraiment. Puis c'est l'amitié entre notre chef, André Gauthier, et Richard Abel qui a fait que Richard est venu avec nous. Puis ça a été vraiment un succès. Ça, les gens ont apprécié beaucoup. En parlant de M. Gauthier, j'ai vu dans l'historique sur votre site Web que vous avez une bonne historique de vos directeurs musicaux qui restent bien longtemps et il y a même eu un petit hommage à un des anciens directeurs. Oui, M. Paul-Émile Faneuf, oui, que Jean-Guy connaît bien. Oui, j'ai déjà joué sous sa direction. Alors, il a dirigé l'harmonie pendant 23 ans de temps. Alors, c'est tout un exploit. Puis ça a été un des supporters qu'on peut appeler qui a aidé à maintenir l'harmonie en place. Avec d'ailleurs un autre qui a bien travaillé, que je pourrais peut-être mentionner, Paul Dubois, qui aussi qui a joué dans l'harmonie pendant plus de 50 ans et puis qui a aussi été une personne qui a bien travaillé pour l'harmonie. Et maintenant, l'invité spécial de la soirée, M. Richard Abel, au piano. Il est beaucoup plus qu'un pianiste. Il est de ces rares artistes qui arrivent, grâce à leur magnétisme, à soulever la salle, à la transporter sur les ailes de l'enchantement pour la laisser remplie de souvenirs délicieux d'une intimité partagée. Homme de scène à part entière, il éblouit par sa fougue et sa virtuosité. Il transporte son auditoire à travers une féerie musicale où génération et style se confondent en une parfaite harmonie. Récipiendaire de 5 Félix, dont 2 pour ses albums de Noël, de 6 disques d'or et de 2 disques platine, Richard Abel compte à son actif près d'1 million d'albums vendus. Son succès sur disque et la fréquence de ses apparitions lors d'événements de toutes sortes témoignent de sa popularité. Mesdames, Messieurs, Richard Abel. Bonsoir. Bonsoir, messieurs, dames. Merci beaucoup. Messieurs, dames, j'avais envie de vous dire un beau bonsoir et vous dire combien je suis honoré, ce soir d'être parmi vous et d'être surtout l'invité de cette merveilleuse harmonie de Granby. Vous savez, ils ont accompagné des artistes de renom, dont Marc Hervieux, Marie-Josée Laure, Marie-Denise Pelletier, Laurence Jalbert, Jean-François Brault et Marie-Ève. Et ils ont pensé à moi pour leur 150e. Vous vous imaginez combien je me sens privilégié. Je vous remercie d'avoir pensé à moi. Nous allons passer un beau moment, je vous le promets. Vous êtes des amateurs de musique, j'en suis persuadé. Et j'aimerais poursuivre avec une pièce qui, à mon avis, est un peu le Val de Rat des Italiens. Voici Funiculi, Funicula. L'équipe de l'émission Stop tient à remercier les commanditaires suivants pour leur appui financier. Les services financiers ARB ont l'expertise nécessaire pour tous vos besoins de tenue de livre, rapport d'impôt, TPS-TVQ, état financier et services de paye. Ralph Bushenbaum et Benoît Carrier sont là pour vous. 450-292-5835. M. Gauthier dirige déjà l'harmonie pour plusieurs années, depuis plusieurs années. Ça fait au-delà de 10 ans, là. Plus que... ouais. C'est un homme de musique extraordinaire. Nous, on est un harmonie senior qui donnons beaucoup de spectacles. On a aussi l'harmonie relève. Ah oui? C'est une harmonie où on va aller chercher des musiciens pour alimenter l'harmonie senior. Comme le club école, là. On a un autre. On a un autre harmonie. Vous avez deux clubs école. On a l'harmonie école qui c'est pour les débutants. Okay. De 7 ans et plus. Alors, on a des gens de 60, 50, 40, 30. Quelqu'un qui a toujours rêvé okay. de jouer d'un instrument de musique. Et on a l'harmonie école, l'harmonie relève, qui est un niveau plus haut. C'est des gens qui ont 2 ans d'expérience sur leur instrument, okay. qui ont une lecture musicale aussi. Et on a une fanfare. Bon, en fait, c'est un petit groupe, une quinzaine de musiciens, qui peut se déplacer dans des endroits que l'harmonie, 40-50 musiciens, ne ferait pas. Mais il faut dire aussi que dans la région, la musique au secondaire, il n'y en a pas beaucoup. Selon vous, est-ce qu'on devrait offrir ça plus dans les écoles? Ah, ben, absolument. La musique, là, c'est complet. C'est complet, ça travaille ton intelligence, ça travaille ta coopération, ça travaille ton social, ta dextérité. Tu dois suivre un chef, tu dois suivre ta partition. C'est physique aussi, hein? Il faut respirer, il faut être en forme pour faire de la musique. Parlez-moi de ça, ce qui vous occupe un peu. On a un autre concert qui s'en vient assez rapidement. Oui, d'ailleurs, le 29 juin, au parc Victoria à Granby, on va jouer au kiosque et on va avoir une plaque qui va être inaugurée, une plaque pour spécifier que le kiosque a été nommé kiosque de l'harmonie pour honorer l'harmonie de Granby qui a fait de la musique au kiosque depuis 150 ans. D'ailleurs, il y a eu des programmes, il y a plusieurs années, l'harmonie jouait à tous les mardis au parc Victoria dans la belle saison, c'est sûr. Hein? Ça jouait tous les mardis, avant la télé. Est-ce qu'il y a d'autres spectacles cet été que vous aimeriez? Le 23 août, c'est la fête des Granbiens. OK. Ça va se passer au Pat Johnson. L'artificier va avoir la musique et puis il va synchroniser ses feux avec les pièces qu'ils ont choisies d'ailleurs ensemble, l'artificier et notre directeur musical. Et puis, à ce moment-là, on va jouer en direct, mais notre chef va avoir un clic, un métronome dans l'oreille pour suivre, et les feux vont arriver. Ça va être extraordinaire. C'est le 5e anniversaire de la fête de Granby, et c'est pour ça aussi qu'ils voulaient faire de quoi de spécial, et le 150e de l'harmonie. Oui, c'est ça. Ah. Ça fait partie de notre boucle, là, de notre 150e. Ça va être excellent. Merci beaucoup d'être avec nous et de nous avoir invités pour vous filmer. C'est pas l'émission Stop. Pensez-vous à un autre 150 ans de l'harmonie? On va se rendre à 300. Ben, pourquoi pas? Il y a bien des chances. La musique, hein? C'est éternel. Excellent. Pour une autre pièce de l'harmonie de Granby, je vous retourne avec M. Gilles Baron, qui a été le maître des cérémonies lors du spectacle au Palace. En 1925, l'harmonie de Granby, largement appuyée par le maire Ernest Boivin, a remporté le trophée CKAC La Presse, qui lui concédait le titre de « Fanfare la plus populaire du Québec », suite à un concours musical tenu sur les ondes de CKAC. L'harmonie a reçu 1 748 000 votes. Une bonne partie de ces votes provenait bien sûr de la population de Granby. 8000 habitants à l'époque, mobilisés tout entière derrière l'harmonie par son maire. Voici l'ouverture Landmark. Alors, de tout le groupe de l'émission Stop, je tiens à féliciter l'Harmonie de Granby pour ses 150 ans. Un merveilleux spectacle. Je vous encourage d'aller les voir cet été. Il va y avoir plusieurs spectacles. Vous pouvez aller vous informer pour les dates et les heures, toutes les informations sur le site de l'Harmonie de Granby.